On continue la série des interviews des nouveaux joueurs. Merci beaucoup Romain Beignet de nous consacrer quelques minutes, quelques instants pour te présenter. Le plus simple, c'est que je te laisse la parole, un petit peu d'où tu viens et ton parcours. Écoutez, bonjour, je m'appelle Romain Beignet, je viens d'Amiens. J'y ai joué durant 3 ans et j'ai été formé à l'Olympique Lyonnais où j'ai joué pendant une dizaine d'années. Romain Beignet, comment se passe cette intégration, cette arrivée dans le club? Écoutez, tout se passe bien. J'avais la chance de connaître déjà pas mal de joueurs avant d'arriver au club. Certains joueurs avec qui j'avais joué à Amiens, notamment Nico Burel, avec qui j'étais l'an dernier, qui est arrivé aussi cette année. Donc ça se passe très bien, d'autant plus que l'ambiance est très bonne au sein du groupe. Donc ça facilite les choses. Romain, je ne sais plus si tu as déjà travaillé avec le coach. Non, je n'ai jamais travaillé avec le coach. C'est la première fois. Maintenant, j'en avais déjà beaucoup entendu parler. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai accepté le challenge de Colmar. Justement, quels ont été les mots du coach et du président? Qu'est-ce qui t'a fait venir à Colmar? Qu'est-ce qui a provoqué cette décision? J'ai eu le coach durant la fin de saison dernière au téléphone. On a échangé plusieurs fois et puis il m'a fait part de son envie de me recruter et moi évidemment j'ai tout de suite été intéressé. Je viens avec Colmar avec beaucoup d'envie et beaucoup de joie. Alors cette préparation un peu plus agréable, un peu moins dure aujourd'hui, la température a baissé. Ce début de préparation, ça se passe bien? Écoutez, oui, très bien. On a eu très chaud ces derniers jours. Aujourd'hui, un peu moins et ça fait beaucoup de bien. Ça se ressent sur les organismes. On a pu travailler dans de meilleures conditions, on va dire ça comme ça, même si tout s'est très bien passé depuis les 10 jours de reprise. Cette prépa, elle monte en puissance. Hein. Premier match vendredi, on part en stage après à Münster. Ça va? On supporte? Oui, bien sûr. Ben, déjà, c'est intéressant de reprendre les matchs. C'est vrai que les joueurs, on existe à travers ça, donc je pense qu'on a tous hâte de jouer nos premières minutes ensemble. Et puis le stage qui va arriver derrière, où ce sera un moment important pour encore plus se connaître, se découvrir, et puis bosser dur, parce qu'apparemment c'est ce qui nous attend. Romain, un petit mot sur Mulhouse, parce qu'on a appris que tu as fait un passage pas très long certes, mais tu es passé par Mulhouse. Oui, c'est ça, il y a 5 ans de ça, si je dis pas de bêtises. J'en ai d'excellents souvenirs, ça s'était très bien passé, sportivement moins puisque l'objectif était de monter et on n'y était pas parvenu. Mais j'avais gardé pas mal de bons contacts là-bas et c'est vrai que j'avais apprécié mon passage à Mulhouse, notamment avec la région que j'avais trouvé très agréable. Donc c'est une des raisons pour lesquelles j'étais très content de revenir ici. C'est la question que j'allais te poser. Colmar, ses environs, la région, tu connais un petit peu. L'intégration est faite, enfin, tu es installé, les cartons sont arrivés, tout est OK? C'est tout bon, j'ai anticipé un peu, j'ai été dans mes murs le week-end avant la reprise, donc j'ai pu être parfaitement chez moi et ça facilite l'intégration de pouvoir être tranquille chez soi, rentrer chez soi le soir dans ses murs. Et pour ce qui est de la région, oui, comme je vous le disais, je l'ai apprécié en étant à Mulhouse et voilà, je suis ravi de revenir ici. Romain, merci beaucoup. En tout cas, nous, on a hâte de te voir bientôt sur le terrain. Ça va commencer bientôt pour les matchs amicaux et bien sûr pour la reprise du championnat. Merci d'avoir accordé ces quelques instants pour te présenter. Écoutez, merci à vous. Excellente saison. Merci.